Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comment faire un passage secret sur Minecraft PE, donc sur Android. Mais aussi aujourd'hui on fête les 1 an de ma chaîne. Donc est un événement pour moi. Et commençons tout de suite pour les passages secrets. Donc il n'y a pas beaucoup de. Comme il n'y a pas de redstone dans Minecraft PE, c'est un peu un problème pour faire des passages secrets. Donc je les ai classés par en top 3. Donc 1, 2 et 3. Donc on s'en parle 3. Donc le 3 c'est le seul que je vais vous montrer où on peut rentrer et après ressortir. Les autres on pourra que rentrer, c'est tout. Donc c'est très basique, c'est juste. Voilà. On va dans l'eau. Hop, on atterrit dans un passage secret. Nous avons notre joli petit coffre. Donc voilà, c'est très très simple. Il n'y a pas de grand mystère là-dedans. Donc c'est assez sympa. Voilà. À refaire. Donc le 2, il est un peu plus compliqué à faire. Ça demande un peu plus de temps. Mais voilà, on perd des vies quand on le fait. Je vais mettre en survival pour vous montrer. Voilà. Donc je suis en survival. Voilà, donc il y a un passage secret dessous qui va me mener dedans. Donc je saute. Hop. Et voilà. Donc comment j'ai fait ça? C'est très simple. Je vais me remettre en créatif. Donc, j'ai fait deux couches. J'ai fait d'abord la lave. Voilà, la lave. Et après, j'ai mis des trappes. J'ai pas mis des barrières ou autre chose parce que ça brûle. Les trappes, elles brûlent pas. Enfin, dans cette version, peut-être dans une prochaine mise à jour, ça brûlera. Mais ça brûle pas pour l'instant. Et ensuite, j'ai mis de l'eau pour enlever. Donc, on va faire dans le sens inverse, sinon on brûlerait. Voilà. On brûlerait. Et donc, en dessous, j'ai mis des trappes pour encore retenir l'eau. Et on arrive. Alors faites une grande surface comme ça, on va mettre pas. Faites pas qu'un bloc parce que si on se foire et on tombe sur la trappe, vous êtes vraiment. Là, vous savez. Quand vous êtes là, vous savez que c'est sur cette rangée, quoi. Hop, comme ça. Ça, vous. C'est plus facile à repérer alors que s'il y a juste un petit trou et que vous vous gourrez de quelques centimètres et que vous mourrez, vous allez perdre tous vos objets. Mais on perd quand même 4 coeurs, alors c'est énorme 4 coeurs. Après, j'ai pas essayé avec des armures aussi. Peut-être qu'on a moins, avec une résistance au feu ou je ne sais quoi. Donc voilà, un passage secret plutôt pas mal, mais qui reste encore un peu dangereux. Et on va passer au dernier. Le dernier. Donc le dernier, où il faut bien le faire dans un endroit un peu caché. Parce qu'il y a un élément, on peut le voir en fait. On peut le voir. Je vais vous montrer. Il est là. C'est un minecart. Oui, c'est un minecart. Donc je m'avance, je me mets dans le coin. Et je clique sur le Minecraft. Ça fait clic. Ah merde, j'ai raté. Super. Possible. Voilà. Et donc quand on est dedans, après on peut descendre tranquillement. Et là, vous avez votre joli coffre. J'ai fait un système pour sortie. Voilà. Je vais vous remontrer comment rentrer parce que c'est un peu compliqué. Donc soit vous allez tout droit et vous restez appuyé sur la petite barre grise, mais c'est là, faut être très précis. Ou soit. Vous appuyez légèrement dessus, après vous enlevez pour pas casser le bloc. Après vous appuyez sur Y. Et là vous êtes dedans. Et après vous sautez pour ressortir. C'est un peu compliqué quand même. Mais je trouve que c'est. Il marche bien. Voilà. Je mets une échelle pour ressortir. Allez, si vous faites comme moi ici, si vous mettez de l'eau, mettez deux échelles. Parce que sinon, le minecart va être détruit par l'eau. Je ne sais pas, c'est un bug. Il faut mieux le mettre à deux blocs. Deux échelles donc. Une et deux. Voilà. Donc voilà, c'était
C'est la fin de cette vidéo. Donc vous remarquerez que j'ai passé beaucoup de temps sur cette map, hein. J'ai passé 2 heures au moins. Donc là j'ai reproduit mon logo, si vous regardez. Voilà. Donc vous pouvez voir ma dernière vidéo en cliquant sur ce petit avion. Donc c'est ma dernière vidéo, c'est Retry, c'est un jeu sur Android qui est assez bien. Donc je vous invite à voir cette vidéo. Et aussi à vous abonner si vous avez envie et si vous voyez que ça vous plaît. Bon bah salut à tous et à une prochaine vidéo.